Nakama, c'est Shodai, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Dans celle-ci, il va rien se passer de spécial. Mais, par contre, si, en fait, il va se passer un truc plutôt spécial. Parce que j'ai une putain de grosse annonce à vous dire. J'ai bossé dessus en secret, voilà, je vous ai rien dit, je l'ai gardé pour moi. Qu'est-ce que c'est cette grosse annonce? Il va y avoir une série. J'ai créé une série sur Xenoverse 2, les gars. Ouais, rien que ça. Voilà, une jeune série, tu vois. Donc, comment ça va se passer? Il va y avoir des épisodes d'une dizaine de minutes, puisque 20 minutes, ça fait un peu trop long pour une petite série sur YouTube, tu vois. Donc, voilà, je pense 10 minutes, c'est bien. Donc, voilà, pour vous citer à peu près les événements de l'histoire, ça se passe... Enfin, la période des événements, ça se passe... juste après avoir battu Black Goku et Zamasu, en fait. Voilà. Une fois qu'on en a fini avec cet arc-là, ça commence à partir de là. Et bon, je vais rien vous dire, tu vois, je vais vous laisser découvrir, mais enfin, en gros... Pour faire l'épisode, j'ai pas galéré. En plus, le pire, c'est que j'ai... comment vous dire, j'ai fait ça sur un coup de tête, comme ça. À la base, je pensais plus faire un petit court-métrage. Et après, j'ai vu les choses en grand, tu vois, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une série, carrément. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait plaisir. Là, l'épisode 1, il est prêt. J'ai juste à vous le sortir. Maintenant, vous allez me demander quand est-ce que je vais le sortir. Je le sortirai dimanche. Pourquoi dimanche? Parce que c'est le dimanche que sortait Dragon Ball Super. Et donc, en souvenir de Dragon Ball Super, je sortirai ça le dimanche. Attention, ça sortira pas tous les dimanches. Mais quand ça sortira, ce sera le dimanche. Voilà. Je prévois pas de sortir un épisode tous les dimanches, hein. Mais voilà, ça sortira le dimanche, ça c'est dit. Et au niveau du scénario, comme je vous l'ai dit, vous découvrirez par vous-même. Mais par contre, je peux vous dire que l'épisode, lui, j'ai pas galéré du tout à le faire. Oui, d'ailleurs, au niveau de l'épisode, au niveau des épisodes, même en général, comment ça va se passer Bah en fait, va y avoir de la lecture, les gars. Je vais vous faire de la lecture, moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce que tout ça, les dialogues, ils vont se passer en sous-titres. Il y aura personne qui va parler, en fait. Vous allez pas entendre deux voix. Voilà, c'est-à-dire que moi, je vais pas donner ma voix au personnage, parce que déjà, j'aurai un jeu d'acteur de merde. Et ça risque d'être malaisant, tu vois. Donc, ouais, tout ça va se passer en sous-titres. Je vous mettrai des OAV et tout, des trucs comme ça, pour que ça passe bien. Et donc voilà, les épisodes, comment ils vont se passer. Donc vous devrez lire pour comprendre l'histoire. Et en fait, l'épisode, lui, il était terminé depuis longtemps. La raison pour laquelle ça sort que maintenant, c'était pour l'opening et l'ending. Surtout l'opening, en fait. Parce que je savais absolument pas quoi mettre dedans. D'ailleurs, niveau scénario... J'ai les grosses idées, mais pas les petites qui vont conduire aux grosses idées. Je sais pas si vous me suivez. En fait, j'ai les grosses idées du scénario, mais il faut un fil rouge conducteur qui conduit jusqu'aux grosses idées, vous voyez. Et le problème, c'est que j'ai pas tout ça. Donc, en fait, j'ai rien qui est écrit à l'avance, tu vois. Enfin, je vais me démerder petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Bon, bien sûr, je vais faire en sorte que ça devienne cohérent, tu vois, les petits trucs avec les gros, enfin comment vous dire, enfin en fait le gros de l'histoire je l'ai, tu vois, le gros scénario en lui-même, j'ai les idées, mais les petites idées qui vont conduire aux grosses, bah je les ai pas, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je me répète comme une merde, mais c'est histoire d'être sûr que vous compreniez bien. Et voilà, donc le problème c'est que je vais faire un petit peu comme Masashi Kishimoto, tu vois, ça veut dire j'avance dans l'histoire sans, comment vous dire, il y a rien qui est écrit à l'avance, en fait, c'est j'improvise, tu vois, j'improvise dans l'histoire, en fait, même si j'ai déjà les plus grosses idées, enfin voilà quoi, tu vois, c'est pas j'avance sans but, tu sais, je sais quand même où je veux en venir. Mais c'est juste que niveau scénario, tu vois, j'essaie de trouver des petits trucs improvisés, mais qui restent cohérents. Et surtout, j'ai vraiment fait de mon mieux pour respecter les personnages, tu vois, les personnages qui existent vraiment.
Comme par exemple, je sais pas, Goku, Vegeta, Whis, Beerus, tu sais, des trucs comme ça. J'essaie de respecter leur personnalité au maximum. Ça, vraiment, pour moi, c'était quelque chose de vraiment important. Respecter la personnalité des personnages qui existent déjà. Après, tu vois, les personnages fictifs qu'il y aura dans la série. Pour l'instant, il n'y a que mon personnage. Voilà, je vais vous le dire clairement. Pour l'instant, il n'y a que mon personnage. Pendant pas mal d'épisodes, il n'y aura que mon personnage, d'ailleurs. Mais peut-être que par la suite, il se pourrait qu'il y ait d'autres personnages originaux qui fassent partie de l'histoire. Que j'intégrerai, mais pour l'instant, en tout cas pour les premiers épisodes, ça se passera avec seulement mon personnage de qui sera fictif, quoi, par rapport à au personnage qui existe vraiment. Et voilà. Après, je crois que c'est tout. Donc, bah voilà, je vous ai tout dit. Donc, en fait, j'ai vraiment fait comme pour DBS, quoi. Hein, c'est-à-dire, j'ai fait un opening, j'ai fait un ending, une preview. J'ai même fait la preview, donc si vous voulez pas la voir, voilà, comme ça, quand il y aura l'épisode, vous pourrez la... Enfin, vous serez pas obligé de la regarder pour pas vous spoil. Et, ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en fait. Donc, si, les gars, franchement, je vais vous demander un truc, par contre, quand l'épisode, il va sortir ce dimanche... Vraiment, parce que j'en ai chié pour l'épisode en lui-même. Non, enfin ça représente du travail quand même, mais c'est surtout pour les idées en fait que j'en ai chié. C'est surtout pour avoir plein d'idées et tout. Je voulais vraiment pas faire de la merde. C'est vraiment compliqué en fait de trouver les idées quand tu sais pas trop où tu veux en venir. Même si, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà les grosses idées. Mais il faut avancer petit à petit, tu vois, parce que si je fais direct les gros trucs, ça fait quoi, 2 épisodes et c'est réglé, quoi, tu vois. Donc faut que je rajoute un petit peu de longueur à la série, sinon c'est pas drôle, tu vois. Mais en gros, voilà, comme je disais, à la base, j'étais parti pour faire, je sais pas, un court-métrage, et puis après, je me suis chauffé. Mais donc, voilà, ta gueule, le chat. le bâtard, tu sais. Mais bref, voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'était que... Les gars, s'il vous plaît, l'épisode qui va sortir ce dimanche, ça représente vraiment du travail, surtout pour les idées de scénario. C'était vraiment ça pour moi le plus dur. Putain, pourquoi est-ce que tu miaules maintenant, toi? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu me casses les couilles? Pourquoi? De toute façon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pause blow, voilà, comme mon perso. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir de savoir ça me ferait super plaisir de savoir que ça vous ferait plaisir, cette série, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, cette nouvelle, de faire une série. Et voilà, après, donc voilà, surtout ce que je vais vous demander, les gars. Que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, mais je pars en couille à chaque fois. Franchement, d'habitude, j'insiste pas là-dessus. Je le dis toujours en fin de vidéo, mais j'insiste vraiment pas là-dessus. Mais là, vraiment, je vais vous demander de partager la vidéo un maximum, parce que ça demande vraiment du travail. Vraiment, l'épisode qui va sortir ce dimanche, ça représente vraiment du travail. Donc j'aimerais vraiment que ce soit vu, tu vois. J'aimerais pas faire 100 vues, tu vois, ou un truc comme ça. Non, j'aimerais vraiment que ce soit plus vu que ça. J'aimerais pas que ça fasse autant de vues que mes vidéos habituelles, en fait. Je préférerais que ça fasse plus, puisque là, c'est vraiment plus travaillé que d'habitude. Donc vraiment, je vous demande vraiment de partager la vidéo, le premier épisode qui sortira ce dimanche, quoi. Ça me ferait vraiment super plaisir que la vidéo soit vue. Parce que je me répète, ça demande vraiment du travail. Après, forcément, ce sera pas aussi bien travaillé qu'un youtubeur qui a 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que moi, bon, après, moi, tu vois, le montage, c'est fait avec Share Factory, tu sais, l'application qu'il y a sur la Play. Donc, tu peux pas forcément faire des trucs oufissimes. C'est galère à utiliser. Enfin, en fait, Share Factory, c'est très limité, c'est ça le problème. Donc, voilà, écoutez, j'ai fait de mon mieux pour que ça donne un bon truc. Donc voilà. Au fait, la série, vous vous demandez peut-être comment elle va s'appeler. Ça va s'appeler Xenoverse no Densetsu. En français, la légende de Xenoverse. Voilà. C'est à la fois recherché, mais pas trop. Je vous cache pas que, je sais pas, il y a trop. Ça, c'est vraiment compliqué de trouver un nom. Du coup, je me suis pas trop cassé la tête, tu vois.
Mais voilà, en tout cas, la série, ça va s'appeler Xenoverse no Densetsu. Dites-moi si ça vous plaît, le nom, en commentaire. Ou alors, si jamais le nom vous plaît pas trop, vous êtes libre de donner un nom à la série. Mais alors, faudrait que le nom me plaise, quoi. Voilà, ça faudrait que ce soit vraiment un nom qui soit stylé. Donc ça, on verra. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah, au lieu juste de dire ça me plaît pas, proposez quelque chose de mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et donc voilà, partagez même cette vidéo pour avertir que ce dimanche il y aura un gros projet qui commence, que j'aurai tenu secret pendant quasiment tout le mois là. J'ai bossé dessus pendant tout le mois. Ça m'a pas pris tout le mois pour faire l'épisode, hein, ça m'a pris tout le mois pour réfléchir aux idées en fait. Et voilà, donc je vous demande aussi de partager cette vidéo pour qu'un maximum de monde soit au courant et qu'il y ait du monde qui vienne voir la vidéo qui sort ce dimanche. Et voilà. Et surtout, abonnez-vous pour pas manquer les épisodes, hein, ce serait con. Voilà, donc abonnez-vous si vous voulez pas manquer les épisodes, si vous voulez suivre toutes nos vidéos aussi, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, donc appuyez sur la cloche et tout pour recevoir les notifications. Oui, parce que si tu cliques pas sur la cloche, bah t'as pas les notifications et ce serait un petit peu con, hein. Donc voilà, c'est bon, j'en ai fini avec cette vidéo, merci de l'avoir regardé, et je compte sur vous. Donc je vous laisse, et on se retrouve... pas dimanche, on se retrouve dimanche pour la série, mais on se retrouve peut-être même un peu plus tard dans la journée pour une nouvelle vidéo. Voilà, en attendant, ça m'empêchera pas de faire d'autres vidéos. Bref, sur ce, Jana.